Nico. On va écouter Nadia, c'est son anniversaire. Nadia, excuse-toi. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi, Nadia? Pourquoi tu fais ça? Alors, parce que tu connais aucune chanson, t'es obligé de faire n'importe quoi sur la chanson de Nico. Merci Nadia, merci, j'apprécie beaucoup. Tu vas dire, on va te l'apprendre, tu vas dire « J'irai au bout de mes rêves » ouais, c'est le « qui est important. « Tout au bout de mes rêves » J'irai au bout de mes rêves. Je vais juste. Tu peux faire juste Eve, c'est bien aussi. J'irai au bout de mes Eve. D'accord. Mais alors, tu ne chantes que lorsqu'on te le dit. D'accord. Juste quand tu nous vois, juste quand tu entends. Rêve, toi tu dis Eve. Ça suffira. Catastrophe, mon pauvre. Non, si tu fais juste Eve, ça sera bien. Demain. Allez, c'est reparti. 3. Alors pour l'instant, le mieux c'est que tu fasses rien. Et tu chantes sur le refrain, ok? Allez la Roménicaine. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, et si pour briser les murs en sifflant les trompettes, à force de murmurer, la gaz est à toi. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. C'est ça. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. À toi, Nadia. Tout au bout de mes rêves. C'est pas mal. Tu vas nous faire un petit solo quand même. Tu as compris le sens du refrain? Tu vas chanter toute seule. Ça c'est les Nico. Nadia, 1 et 2. Mesdames et messieurs au micro, Nadia. Soyez indulgents, c'est son anniversaire. 3, 4. Tout au bout.